Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du... Ouais, j'ai pas mis la scène, mais qu'est-ce qu'elle est bête! Oh là! Ça commence! Bienvenue pour la rediffusion du Natsoberry. Oui, non, ça va, j'ai pas bu, hein, j'ai pas fumé non plus, je suis complètement nature, je sais pas, j'étais partie, je sais pas. Tout va bien, ce fail. Oui, ça commence. Hein. Donc, je sais pas pourquoi, il est déjà 7h du matin. Ils ont vite fait leur life. Regardez-moi Pulco, mais regardez-moi ces muscles de l'enfer. Et merci, et beaucoup chimique, je pense. Excuse-moi pour si c'est pas comme ça qu'on le dit. Oh, labo. Oh, j'avais oublié qu'il y avait une photo des vieux. Pour l'abonnement, pour le follow sur Twitch, et bienvenue à toi. Quelle bleue celle-là. On fait ce qu'on fait avec ce qu'on a. Bon, alors, nous avons notre petite pulcote qui a déjà faim. Et alors, les enfants, je voulais vous parler d'une chose incroyable qui s'appelle les votes. Donc pendant que je vais jouer, qu'est-ce qu'elle a? Mais... Elle est Keblo. Ça commence. T'es Keblo, Ouais, c'est bon, elle était Keblo. Alors, je vais, dans cette rediffusion, vous foutre un... Alors, soit je vais faire une fiche dans la vidéo. Ah, comme le petit i qui aura... je sais plus où, là. Attendez, ça doit être là. Le petit i qui sera en haut de l'écran, comme ça. Ou alors, dans la description, je verrai. Je pense que maintenant, je sais faire des fiches, donc je ferai une fiche. C'est mieux. Comme ça, c'est comptabilisé directement sur YouTube. Pour qu'on puisse déterminer, non pas l'héritière, parce que pour l'instant, elle n'est pas encore adolescente, la petite Minnie qui grandit dans 3 jours. Donc, je sais pas si on l'aura pour aujourd'hui ou là pour la semaine prochaine. Mais on peut... En fait, on va voter, je vais vous demander de voter pour déterminer comment on va déterminer justement notre héritière. C'est-à-dire que... On m'a proposé la dernière fois... Bon, ils sont mignons. On m'a proposé de faire une compétition sportive pour déterminer l'héritière entre les trois filles. Dans ce cas, il faudrait que j'arrive à les mettre au même niveau au niveau du sport, parce que sinon il y a de la triche, je veux dire, ce sera forcément Perle. Peut-être, en fait. Mais bouffe, vas-y, qu'est-ce que fais pas lâcher, toi? Par exemple, elle est déjà pratiquement au niveau, elle est au 4,78. Et Nuage, elle est qu'au niveau 2,5. Alors que la petite n'a pas encore commencé. Donc si c'est qu'une compétition sportive, ça sera peut-être Perle qui gagnerait. Alors, soit je ferai une compétition sportive, c'est-à-dire que bah, la dernière qui abandonne quand je mets le tapis de course, le truc pour grimper au machin. Enfin voilà, on fera genre 2, 3, 4 épreuves, plutôt 3, comme ça détermine bien, pour voir qui s'en sort le mieux. Avec bien sûr, je ferai en sorte qu'elles soient au même niveau toutes. Hein. Soit on fait un vote à la classique. Vous votez pour votre préféré. Donc ce sera un vote pour savoir comment on détermine l'héritière. Soit une compétition sportive, soit un vote classique. Ce sera comme ça, vous choisirez. Et bien sûr, ceux qui sont en live devront aller aussi sur la rediff pour voter. C'est machiavélique. Voilà, ça vous va, même si ça vous va pas, c'est le même prix. Ils vont faire un nouveau bébé. Bah non, là non. Ça veut dire qu'il faudrait attendre je sais pas combien de temps pour pouvoir déterminer la gamine, la dernière qui soit ado, pour qu'on sache laquelle des quatre ils vont faire un gosse. Enfin, ils vont être héritiers. Donc non. Donc elle, je vais la faire monter jusqu'au niveau... Je pense au niveau 5. Perle, je vais la faire bosser jusqu'au niveau 5. On va commencer à se pencher sur les échecs amoureux. Faut qu'elle rencontre des mecs ou des filles, on s'en fout. Du moment qu'elle baise. Toujours dans la... Voilà, toujours dans la sympathie et la bonne humeur. Et puis, voilà, selon les résultats que j'aurai avec ce sondage-là, donc compète sportive ou vote classique, eh bien, on verra. C'est chiant que le jeu démarre pendant le chargement. Oui, ça m'arrive pas tout le temps en général, parce que j'essaie d'enregistrer toujours quand c'est en pause. Et là, je sais pas, mais ça, c'est... Je sais pas, il s'est pas passé longtemps, tu vois, c'est pas très grave. Cette génie. Ouais, t'as vu. Il y en a là-dedans. Donc, elle, on est quoi? On est samedi? Oh, c'est bien. Alors, par contre, Pulcote, il faut absolument qu'il bosse aussi son sport. Parce que. Sinon, il va. Alors, je me suis.
Il va devoir. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mon chéri, t'as pas le temps d'aller jouer à la poupée là. Faut que tu bosses. Faut que tu bosses ton. Vas-y, soulèvement de charge lourde. Parce que il faut qu'il ait le niveau 10 de la compétence fitness pour avoir le niveau 10 de la carrière astronaute. Donc, vous voyez, il nous manque que ça, hein. Donc, il travaille pas avant lundi. Donc, on a 2 jours où il va faire que ça pour choper le niveau 10. On n'est plus très très loin, il me semble. On est à 9 et demi, ça va. Je pense que on sera assez bien. Mais c'est le tout dernier objectif qu'on a avec Pulcott. Et en plus, il vieillit dans 3 jours. Donc, il aura tout juste sa promotion et voilà. Ce sera vraiment short, short, short. Ah bah elle se tape un petit bain, c'est très bien. Et elles sont belles nos filles quand même, hein. On a de la chance. Bah elle fait ses devoirs. Qu'est-ce qu'elle a? Méchante, bah voyons, saleté. Tu l'aides? Oh c'est cool, elle l'aide pour faire ses devoirs, c'est bien parce que comme elle est devenue, enfin elle est devenue pas rien du tout. Elle travaille juste dans l'éducation. Je trouve que c'est logique, que ça passe bien. Ça va, ça peut le faire. Oui! Parce qu'on avait bien bossé la semaine dernière, on avait bien fait avancer Pulcott. Qu'est-ce qu'il est beau, hein. Il va nous manquer, hein. Ah, comme son papa, mais son papa il est mort il y a un moment maintenant, mais il était. Oh ouais, mais Bordeaux, c'était un putain beau gosse quand même. Franchement, hein. En fait, les yeux verts ont tout fait, hein. Lui, il a les yeux marrons, c'est déjà autre chose, hein. C'est la meuf qui remet une couche à chaque épisode d'une autre série. Ouais, les yeux marrons, les yeux marrons, les yeux marrons. Ouais. Je suis désolée. Je joue en même temps, je suis toujours là pour t'écouter. Comme d'habitude, Marie. Papy Pulco. Ouais, bah pour l'instant, il est pas papy encore, mais. Un jour. Qu'est-ce qu'elle va venir faire? Elle demande des conseils. Ah! Body. Elle va courir, toi. C'est dommage, on peut pas. Ah, mais elle peut s'entraîner à chanter! C'est vrai qu'il y a le chant à faire. Tu sais, alors toi, tu vas aller courir un coup. Courir pour se vider l'esprit. Elle, en fait, je vais l'essayer de la monter jusqu'au niveau 5 pour la compétition sportive, si c'est compétition sportive que je choisissais. Histoire qu'elle soit toute. Dès qu'elle est au niveau 5, je l'arrête. Et puis après, elle fera le chant et tout ça, quoi. Il y a juste Mini qu'il faudra qu'elle rattrape tout d'un coup, ça va être chaud. Hein. Mais bon. C'est comme ça, hein. La salope. La 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 la. Pardon. Je sais pas si vous entendez bien le jeu. Je suis à fond dans mon casque. Pulcott! Tu vas courir, hein. Toi, tu vas t'entraîner là. Parce que j'ai des objectifs avec vous deux, hein, quand même. Hein. Elle monte, elle est pas encore au niveau 5. Mais elle, en fait, c'est dommage parce que même si je la fais chanter maintenant, ça va pas faire monter son chant. Donc. Oh là! Oh, ça sent là! Oh, je suis habituée à voir aux odeurs vertes, mais quand même. Mais pourquoi elle est contente? Ah ouais, c'est un bidet, c'est vrai. Vas-y, il reste 10%, cocotte. Va recourir un peu. Franchement, hein, quel changement les filles elles ont eu parce qu'elles grandissent, elles sont un peu rondelettes. Puis là, piou, bon, elles ont toujours du ventre, hein. Par contre, au niveau hanches, c'est des bâtons. Par contre, elles ont du cul. Elles ont des fesses et des seins, mais elles ont pas de hanches. Et elles ont du ventre. C'est un peu bizarre comme conception du corps, hein. Ah, après, on va encore me tomber dessus en disant hey, comment elles disent ça, et ceux qui sont comme ça dans la vraie vie. S'il vous plaît. Attention! Je vous taquine. 19. Je suis tellement taquée là!
Elle est contente. Ah, j'ai encore maigri. Tu... Vraiment, je... Ah non, c'est bon. C'est bon. 5 piles. Waouh. 5 piles. Ça s'appelle de la pilitude. Je suis absolument parfaite. Tu vas chanter. Tu vas chanter, on s'en fout. Tu vas améliorer ton chant. Parce que ça, à la limite, c'est pas grave si elle prend de l'avance sur les autres. Parce que on va pas faire une compé... on peut pas faire une compétition de chant. Enfin, ce serait bizarre. Mais... Oh, continue, toi. Va t'entraîner. Fitness 3. Allez, nuage. Arrête. Ta mère, on va l'envoyer courir aussi. Là, nous casser les pieds. Hop, dégage. Tu vas courir. Va courir. Voilà. Moi, dès qu'il me casse les pieds, il court, moi. Ça me saoule les lacs de connexion. Je suis désolée. Salut Tatou, comment tu vas? Salut Pearl Gaming! Pas Pearl, tout court, j'imagine. Désolée, ma chérie, je rage quitte, c'est pas possible dessus. Oh, ma bichette. Ce sera pour la rediff, ma belle. Et Pulcote, il en est où? Allez, 9,70. Allez, Pulco, hein! On a 2 jours pour te faire suer, là. Ouais, non, mais là, il en peut déjà plus. On a gagné 15%, hein. 25, pardon, 15, je sais plus compter. Eh, je l'ai dit que je savais pas compter, hein. Je suis dégoûtée pour... Non. Ouais. Fais au max, mon Pulcote. Tu vas aller prendre un bain de mousse après. Mais qu'est-ce qu'elle chante, elle, maintenant? Elle chante mais, Amazing Grace. Yo, t'es en train de chanter, non? Tu vas prendre un petit bain. Vas-y, va prendre un bain de mousse, mon chou. Bon, il lui reste pas beaucoup, hein. Il reste 12... 22%, pardon. Magnifique! Ah, c'était une super fin, très logique. T'as fini? Ah ouais, d'accord. Chanter en solo. Vas-y, bah tu vas chanter, hein, cocotte là-haut. Allez, vas-y. La prière de l'idiot, là, vas-y. Week-end festif. Mais fais pas de sport! Mais je t'ai mis à pile... Bon, ça va, elle est restée à 5. Elle commence à avoir des étoiles dans les doigts. Hein. Vas-y, ouais! Waouh! Ce tourné-boulé, c'était superbe. Je suis tout... tout... tu me déçois pas, on porte le même prénom. Ah bah écoute, si tu veux voter pour le mode de sélection de la future héritière, il faudra aller voir la rediff. Parce que je vais mettre un sondage pour la rediff. Savoir si on les fait gagner... L'héritière via une compétition sportive. Bah là, elle a arrêté de faire son sport aussi. Ou alors, en classique, genre, ben, on trouve elle plus jolie, donc on vote pour elle, quoi. Ah, les oreilles. Oh là là. Bon, mon chou. Pardon. Tira après, là. J'irai envoyer Nuage après. Parce qu'elle aussi a des élongations. Mais bichette! Elle est triste. Chubby bra bra ground. Et elle continue de chanter. On dirait moi. Non, je rigole. La casserole. Oh! Pour l'instant, je sais plus où elle en est, mais on avait senti une différence quand même. Ah, elle est quand même niveau 3, hein? Bientôt niveau 4. On va voir si ça change au moment où elle atteint le niveau 4. Ça y est.
Ah ouais, moi aussi je suis comme ça avec mon micro. Ouais. C'est mieux, hein? Elle est à fond, hein. Ça me fait rire. One in the blurs. Hey, tout le monde! La baignoire est dégueu. Oui, j'ai vu. Si, la voix, c'est mieux, là. The four. Je connais pas les paroles, hein. C'est du simlish, hein, vous allez me dire, mais quand même. Alors, Bichette, elle va aller se relaxer aussi dans le bain, c'est pas grave si c'est sale. Elle va aller se détendre les muscles. Oh, mais Pulco, regardez-moi ce corps! Pou, 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 pou. Nubu? Elle a dit Nubu! Oui, c'est mieux. Bah ouais. D'ailleurs, en m'encombrant. Du micro pour le chant. Ah ouais, mais avec le karaoké, c'est mieux. Il y a la musique, tu vois. Non, ça va, ça prend pas trop de place que ça, regarde. Ça va, hein. Est-ce qu'elle a fait ses deux, ses devoirs? Non, elle va faire. Bon, elle est pas encore parfaite sur toutes les chansons, mais on va y travailler. Voilà, elle se détend, regardez maintenant les muscles, ils sont plus rouges, ils sont bleus, se sent svelte, plus en forme qu'avant. Le travail acharné de Nuage a fini par payer, sa nouvelle silhouette est là pour le prouver. Oh baby! Je devrais faire la même. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que Minnie va être jolie? Non, t'es pas obligé de faire la... C'est pas grave, on a une femme de ménage qui va venir. Putain, mais Pulcott, il est déjà parti coucher, le vieux, là. Tu sais que tu vas mieux, tu vas aller me faire une petite course. Allez, vas-y. Oh, punaise, ses pecs. Ses bras. Elle me chouque, hein, franchement. Hein. Oh, Bordeaux! Bon, je regarde elle parce qu'il y a qu'elle qui me fait marrer pour l'instant. Après les autres, bon, voilà. Il y a elle qui est dans son bain. Voilà. Il y a elle qui corrige ses copies. C'est un peu moins fun. Il y a elle qui veut se coucher. Il y a plus le cote qui court. Mais il n'est pas assez nu. Oups. Donc, c'est un peu moins intéressant. Donc, finalement, je reste sur elle parce que c'est un peu plus sympa. Elle est devenue pince-perle. Ah oui, mais de toute façon, avec le sport, elles vont être super fit, mais même trop. Quand on voit les muscles et tout, c'est pas joli sur une Sims fille, je trouve. Alors, Perle, il y a un polychinelle dans le tiroir. Ah non, elle est ado. Non, mais elles ont du ventre parce que c'est leur maman qui avait du ventre. Et en fait, elles sont trop cambrées, donc le ventre part vers l'avant. Ça serait bien qu'ils fassent un pack à l'école. Ouais. On doit déjà générer plein de choses, donc... Après, tu pourras faire tout ça. Ça l'amuse pas de ce... Non, c'est le social, pardon. Perlette. Ah bah ça va, elle s'est reposée, elle, tout va bien. Tu peux courir? La meuf qui... Sans arrêt. Ah non, mais... Non, pas crier des mots interdits. Oups, 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 oups. Ce n'est pas ça, courir pour se vider l'esprit. Non mais c'est bien la logique, mais ça fait pas partie de ta génération, donc on s'en fout. Où en est Pulcote? Il court. Pulcote, il tricote 80% effectué. Oula! Oh punaise, il est à moitié grimpé sur le mur, tout va bien. Le pauvre chou. Elle aussi, elle a maigri de ouf, hein.
Je regardais, mais elle a peut-être un petit peu moins de ventre que sa sœur. Peut-être. On verra bien ce que Minnie nous réserve quand elle grandira. Oh, j'ai faim. Oh. Bref, allez, allez. Tu peux, hein. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi bouffer, hein. Toi aussi, t'iras aux toilettes. Puis t'iras dormir. Salut, Valouchkaïa, comment tu vas? Je suis Tadorino, j'ai bien ri devant ta détresse avec les jumelles. Merci. Oui, bah je sais que ça vous amuse en plus, mais ça, le prochain il va être sympa aussi à ce niveau-là, si vous. Voilà. Enfin bon, je n'en dirai pas plus, évidemment, je veux pas vous spoil, mais merci beaucoup. Je dis ça parce qu'elle a dit Noubou en chantant. Ah d'accord, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'elle a dit Noubou en chantant, c'est vrai. Ça fait combien de temps que tu joues aux Sims? Les Sims tout court ou les Sims 4? Parce que j'ai joué aux Sims 1, enfin aux Sims tout court, aux Sims 2, aux Sims 3 et aux Sims 4. Et aux Sims 5, je pense, un jour, si ça sort. Alors, attendez, j'ai envie de faire une comparaison visage. J'ai envie de dire que Nuage, elle est vachement plus mignonne. Il y a un truc dans son visage que je préfère. Elles sont toutes les deux jolies. Mais même profil, tu vois, j'aime bien Nuage. Elle a un visage un peu plus... je sais pas. Il y a telle pète. J'essaie de faire un truc sympa et elle pète. Voilà. Va courir un peu, toi. Vas-y, va te couvrir pour te vider l'esprit. Ouais. Alors, tiens, t'es pas très très fatigué, tu peux faire tes devoirs. Voilà, ça te s'occupera un petit peu. Elle a légèrement moins de ventre aussi. Peut-être que ma préf pour l'instant c'est Nuage. Alors qu'elle m'a cassé les pieds avec son monstre, hein, je dis pas le contraire. Mais... Ah, j'avais mis les murs, pardon. Tous les Sims? Ah bah, du coup, vu que j'ai joué aux Sims 1, je me souviens plus de l'année exacte, mais j'ai joué aux Sims 1. Donc, ça fait quand même quelques temps. Si c'est sorti il y a 20 ans, à peu près 20 ans. Voilà. Je sais plus exactement si c'est on a joué, j'y ai joué dans l'année de sortie ou un ou deux ans après, je sais plus. Je t'avoue, j'ai pas tenu les comptes, mais je sais que j'y ai joué. Donc comme je l'avais pas chez moi, c'était chez ma sœur, c'est plus confus. Ressemble un peu à Pulco Nuage. Ah bon? Voilà, elle bouge, mais. Je trouve pas forcément. Enfin, je sais pas. Eh, déjà niveau 4. Hein. Déjà niveau 4. Elle rattrape sa sœur. Eh, cocotte, tu peux aller dormir. Dormirar. Vamos a dormir. Eh oui, elle fait ses devoirs. J'allais dire, pourquoi c'est allumé? Parce que, voilà. Ça va, doudou? Il ronfle derrière moi, lui. Je l'entends. Je l'entends, ronflette. Ouh! Il ronfle de ouf. Il reste 16% à Pulcot. Et elle grandit dans 2 jours. Peut-être qu'on va y arriver. Hein. Peut-être qu'on va y arriver à avoir adolescente dans cet épisode. Du coup, c'est très bien. Parce que ça veut dire que la semaine prochaine, quand on reprendra, eh ben, on fera peut-être l'élection. Enfin, je la remettrai à niveau si c'est compète sportive. Et si c'est vote normaux, et ben, ce sera direct après le relooking. Je veux dire, ouais, la semaine prochaine, ce sera les votes. Je pense. Je vais être pas toutes les deux. Elles ont chacune leur charme. Oui, c'est clair. Mais moi, je pense que je préfère quand même Nuage. Je sais pas, elle a un petit côté un peu plus... Plus mignon, je sais pas comment dire. Peut-être des traits un peu plus fins, je sais pas. Je la trouve choupite. Choupite. Choupette. Alors, on est dimanche. Personne ne travaille non plus, encore une fois. Bah, tu vas prendre une douche. Tu vas pisser.
Qu'est-ce que tu... Laisse ce nounours tranquille. Meilleure amie gigantesque. Ah, effectivement, elle est très très amie avec, hein. Mais elle a fait ça toute seule dans son coin, hein. Moi, je j'ai rien fait, hein. Amiquée et ouragan. C'est vrai, il va falloir commencer à emballer. Allez, aujourd'hui, Perle, elle emballe un mec. Ou une fille, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle a dans son répertoire? Liat. Ben, Liat, elle va passer à la casserole. Vu que c'est une fille, c'est pas grave. On peut la rompre avec. De toute façon, nous, ce qui nous importe, si il faut qu'elle soit casée, il vaut mieux caser avec un garçon pour faire des bébés. Donc, Liat, elle va passer à la casserole. Voilà, pas beaucoup de monde dans son machin. Cloud. Il y a Milan. C'est vrai que Milan. Un peu sexy quand même. Ouragan et Mickey, mais ils sont encore des enfants. Et elle, du coup, elle a aussi les trois. D'accord, très bien. Bon, bah, Perle, tu vas te taper Lias. Lias ou Liat? C'est pas très très grave si je dis pas bien non. Regardez-moi la petite biche. Elle fait joujou. J'ai hâte de voir sa bouille aussi parce que. Tu sais que tu peux faire à manger en vrai? Servir le petit déjeuner. Du pain perdu. Allez, tu vas me faire ça. J'en ai jamais mangé du pain perdu. Je sais même pas si c'est bon. Ah, c'est la douche qui est cassée! Et au lieu de glander devant le PC, pulcote. Punaise, mais c'est. Ces muscles! J'en peux plus! Vous savez que j'ai. Je crois que j'ai jamais été jusqu'au niveau 10 du fitness hein, pour un Sims. Hein. Donc ça me troue, hein, ça me troue. Mercredi pro, je serai pas là, j'ai mon spectacle de danse. De toute façon, la semaine prochaine, on reprend à jeudi pour le Notsoberry. C'est juste que cette semaine, comme je suis pas là demain, et que je pars demain, et ben on l'a fait aujourd'hui, mais sinon c'est le jeudi, donc t'inquiète. Ben après, tu pourras manger des petits pains perdus. Après, tu iras faire une petite douche tonifiante. Pour te tonifier le petit fessier qui doit être archi dur. Parce que, vu comment il est gaulé, OMG. Va faire baisser la responsabilité, parce que ça, c'est facile avec les devoirs, ça remonte tout seul. Si tu veux, tu peux manger aussi, cocotte. Perlette! Perlette! Et le pot au lait. Et toi, eh ben, t'iras te prendre une douche avant. Voilà. Voilà. Tout le monde debout. Tout le monde danse. À la queue. Qu'est-ce qu'elle a? Oh mon Dieu, je suis triste. Je n'ai parlé à personne. J'aurais voulu être enfant unique. Bah non, en fait, c'est ton père qui l'était justement. Donc t'es pas venue à la bonne génération, cocotte. Discutez. Demandez l'indépendance. Non. Là là, maman, je suis triste. Personne ne me parle. Je n'ai pas d'amis. Ah, elle a mis sa robe moche, petite nuage, c'est cool. I am happy. Bon, après, tu vas envoyer SMS à Liat. Lias. Je ne sais pas le dire. Qu'est-ce que t'as énervé, toi? Ah oui, c'est vrai qu'elle est parano, elle. Oh, Schnickeflouf. T'es où, toi? Non, Pulco. Tu sais ce que tu vas faire, mon Pulcote? T'es concentré. Mais qu'est-ce que t'as été faire aux échecs, toi? Ok. Bah, tu vas faire un petit défi de la colline. Allez, histoire d'avoir ton 10 en machin. Toi, nickel. Tu vas pouvoir venir t'entraîner. On a un niveau à te faire bosser, et puis c'est très bien. Et toi, tu vas draguer. T'as envoyé un texto à ta pote là? Tu vas discuter avec elle. Puis renvoyer un SMS et envoyer un SMS de bonheur. Oh. Et on répond pas! Saleté!
niveau 10 de la compétence éducation, I'm shocked, parce que j'ai jamais réussi à faire ça. Jamais réussi. Trop cool, je suis pas de soucis. Ouais, c'est ça. Oh no, c'est ça. C'est bon? Tu vas l'inviter. Invite-la. Oui, je sais. Non, non, mais tu vas venir à la maison, c'est plus facile pour t'emballer. Si je vous surveille tous. Alors, tu vas te refaire une beauté. Faut pas qu'on oublie quand même, Pulcote, niveau 10, hein, bientôt là. Il va faire péter le niveau 10, hein. Aïe, 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 aïe. Il reste 9%. Il fait son regard de tueur en plus. Et toi, t'arrêtes un peu de les emmerder là? Va courir. Ah, elle est là! Ça va, elle est belle gosse, hein? C'est dommage qu'elle va pas beaucoup servir. Non, mais faut que tu dises bonjour à elle. Vas-y, va rejoindre Perle. C'est Perle qui va te draguer. Voilà. On surveille Pulcote. On a besoin de voir son 10. 8%. C'est plus lent, hein, c'est la fin. Hein, c'est la fin de la fin. Eh ben voilà, en plus il s'est mangé le tapis. Elle, ça monte tranquillement aussi. Bon, on va gérer Perle un petit peu. Tu vas t'extasier sur tes chanteurs préférés, illuminer la journée, parler du temps ensoleillé, complimenter. T'aurais pu t'habiller quand même, un minimum, non? Ah, j'ai cru qu'elle allait lui rouler. Tu vas changer de tenue, tu vas t'habiller quand même. Se renseigner sur ce moment, faire crac-crac. Ah oui, non, ça, elle est ado. Et puis tu vas commencer à faire connaissance. Discuter des centres d'intérêt. Tac, 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 tac. Conversation profonde. Très profonde. Non, ça marche pas avec une fille. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je sais rien. Je suis pas une experte en filles. Mais voilà. Ça va draguer! Ça va draguer! Oh, et dis donc, on arrête les tirs au flanc, là! Oh, plus le cut. Laisse ta soeur tranquille, toi. Tu peux rien faire avec la fusée. Wouah! Pulco! 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 Citron! 6%! Allez, Pulco, tu peux y arriver! Tu vas y arriver, mon Pulco! 3%! Ah! Mais va draguer, toi! Laisse ton père tranquille! Elle est où? Elle est là-bas, la meuf. Vas-y, mais va la draguer! Va regarder les nuages. Ça bonde. Ça crée des liens. Oh là là, je t'aimerais toujours. Casse les couilles, non? Dégage. Nous, on est là pour Pulcote. 99! Je veux une hola dans le chat. Quand il sera. Ce stress. Non, il préfère dire des conneries encore. 100%! Yes! Regardez-moi ce tome de qualité. C'est beau, 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 beau manger. C'est du bon manger, sur Pulco, bon manger. Faut que je fasse quand même une miniature. Mais quelle miniature? Je ne sais pas pour l'instant. Eh ben, voyez, il est quota. Il est quota! C'est toi le plus beau! Il est beau, il est fort. C'est Pulcote, c'est mort. Ah là 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 là. Oh mon beau Pulcote, je suis fière de toi. Tu sais quoi? Les doigts dans le pif là. Oh, regardez-moi ce beau mec. Il va aller au boulot, on va lui donner une promotion avec plein d'argent. Dis tiens, 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 tiens. Go go Pulco. Oui! Pulco, quand il court, il a les mains de Ken en plus du corps. Les mains de Ken! C'est-à-dire.
Oh, je suis trop fière de toi! Regardez-moi ça! Il va avoir sa... Allez, tchat, tu vas faire un petit tour. Non, pas le trou de ver. J'ai pas envie dans les Six Sam. Entraînement, gravité zéro, explorer l'espace. Vas-y, explore l'espace. Avec tes muscles, rien ne t'arrivera. Et elle, elle est en train de... Voilà. Tu vas frimer avec un selfie. Parler de la température chaude. Se raconter une histoire délicieuse. Trop d'action. Bon, allez, vas-y. Qu'est-ce que t'as fait? Ce sang m'a fagoté. Mais t'étais censé emballer, hein. Petit vaisseau en vue. Pucco commence juste à mordre dans son sandwich à la crème glacée. Pour astronaute, lorsqu'il remarque un petit vaisseau qui semble faire signe à sa fusée. Est-ce que quelqu'un a un problème? Pucco va voir ça de plus près. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti en fusée, hein, quand même. Elle est enjôleuse, la fille! Elle est enjôleuse! Ta 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 ta! Elle a envie de niquer! Il est fier, ce Pucco. Ken de Barbie. Oui, d'accord, j'avais bien compris. Ça nous emmerde un petit peu à des moments cruciaux, mais bon. En se rapprochant, Pulco voit qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre, pardon, piloté par un extraterrestre à 3 yeux et 16 tentacules bien trop souriants pour être réellement en détresse. Prétendant être le meilleur combattant stellaire de l'univers, il le provoque en duel et propose une énorme récompense. Pulco accepte-t-il? Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte ou on refuse le duel, les enfants? On accepte? Allez, on accepte. En tout cas, elle dit pas non, hein, la fille. Regarde-moi ça, elle est chaude comme la braise. Pose une question risquée. Parler du temps soleil. Toi, t'en es où? Duel! Ah! Il n'y a pas deux duels spatiaux qui commencent de la même manière, mais cet extraterrestre semble avoir un plan. D'un mouvement de tentacule, il fonce vers l'horizon, puis tourne son vaisseau de combat stellaire pour faire face à Pulco. Pulco fait de même, s'arrête, puis charge le vaisseau extraterrestre. Le duel a commencé. Quatre et demi déjà pour Nuage, hein. Tu la dragues ou pas, là, un petit peu? Parce que... Elle est chaude, là. Elle est brûlante, hein. Ah, ce ne se passe pas très bien. Il y a une petite erreur, là, les Sims. C'est pas bien traduit. Pulco utilise l'effet de surprise pour tirer le premier coup. Mais ensuite, les choses se dégradent. Remarque à garder en mémoire à l'avenir, ne jamais provoquer en duel un extraterrestre ayant 14 mains de plus. L'extraterrestre aux mains multiples... C'est des tentacules, c'est pas des mains. Envoie un véritable mur de missiles et à en juger par la fumée et les lumières qui se mettent à clignoter, la fusée de Pulco a été touchée. Doit-il battre en retraite ou lutter pour reprendre l'avantage? Se battre. Ok, bon allez, on se bat alors. Attention! Ah non, j'ai cru qu'elle allait l'enlacer, mais ça va pas tarder. Elle se rapproche. Le rapprochement physique commence. Flirter. Oh oui! Perlouse! Perlouse, perlouse. Égalité. Pulco se souvient d'une astuce efficace. Plissant ses lèvres, il pousse un cri d'accouplement extraterrestre aigu. Oui, bah écoutez, on a une imagination qu'on a. Le pilote égocentrique tourne deux de ses yeux vers l'horizon et un dans son rétroviseur. C'est dégueulasse. Perdant de vue Pulco, juste le temps qu'il faut. Pulco marque un autre coup. Celui qui permet d'égaliser juste avant la fin du délai imparti. Impressionné, l'extraterrestre dit qu'il devrait s'affronter plus souvent. Pulco rentre fièrement chez lui. Pile quand sa fille, elle va marquer un but aussi. Envoyez un baiser. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Premier baiser, échangé. Quand la fusée revient. Viens par ici, je vais te palumer ton petit cul comme un chien. Eh ouais, ça rime, tu vois, on est fait pour ça. Tu restes là, connasse. Tu la laisses pas en plan?
À chaque fois, les Sims, ils me font ça. C'est à peine j'ai réussi à faire le premier baiser. L'autre, elle fait sa pute. T'es célibataire, en fait? Je pense que oui, parce que tu... Se bécotait dans la fusée. Papa, t'es rentré? Je peux prendre ta fusée? Ça te dérange pas? C'est bien, elle est célibataire, en plus. Oh là là! Allez, viens, je vais te montrer tous les petits boutons dans la fusée. Ah ben! Attendez, vous avez vu ce nuage de ouf? Je me souviens pas qu'il y avait un nuage. Il y a de l'amour dans l'air! En tout cas, si c'est pas de l'amour, c'est du sesque. Alors, Pulcote, on est content, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu es parfait. Elle est en train de niquer. Toi, t'as pas fait tes devoirs, t'en es où du sport? 4 et demi? Ah, elle est encore crevée, donc on va lui faire prendre un petit bain. Tu vas faire un petit bain de mousse et puis tu feras tes devoirs. Tranquille. Ouais, non, elle est trop mal pour l'instant. Toi, t'as pas fait tes devoirs? Si. Bah, va jouer avec l'émotion, hein. Casse-nous pas les pieds. Et toi, t'as fait quoi dans ta vie? Tu joues. Ouais, bon, bah écoutez, tout le monde a fait ce qu'il fallait, hein. On est très bien. Et lui, il raconte une histoire dramatique. Très beau Shirley, magnifique imitation. En vrai, j'imaginais ça. T'as vu, hein? Ça va, hein? Je gère. Terre brûlée au vent des Landes de pierre. La la la. Quoi? Quoi? J'adore les cris. Proche de celui du dindon. Ouais, ouais, moi, tu sais, j'ai un passé de dindon, hein. Donc. Ah bah, à peine elle revient, elle va pisser. Bah, bravo. Alors, quand ils disent trois échecs amoureux, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit en couple avec la personne? Est-ce que je peux demander à Liliat d'être ma petite amie et puis rompre après? Oh, punaise. Elle en peut plus, hein. Ouais, et va te laver, là, tu pues, là! Hein, faire des crapulades dans les fusées, hein, bon, quand même. Elle va mieux. Et puis, après, tu pourras faire tes devoirs. Voilà. Elle est trop choupie. Même sa robe, vous aviez pas aimé la robe quand je l'avais mise dans le CAS. Mais regardez, maintenant qu'elle a perdu du poids, ça lui va quand même vachement mieux, hein. Bon, elle est pas. La robe n'est pas exceptionnelle. J'aurais pas. Enfin, j'aurais fait plus un col V. J'aurais peut-être fait de plus courte. J'aurais fait un rappel de blanc devant. Mais bon, ça, c'est. Je ne travaille pas chez les Sims. Donc, je ne peux pas. Tiens, tu peux essuyer si tu veux. Maintenant que t'as niqué, tu peux échanter. Voilà. Salut Quentin, comment tu vas? Alors, les extraterrestres seraient-ils tous des dindons? Mystère et boule de gomme. Oh, bah, on a tous un passé de dindons, tu sais, même les extraterrestres. N'importe quoi. Drobo! Tu peux l'aider à faire ses devoirs aussi. Aider à faire les devoirs. Et la petite, elle est sage, pas trop chiante. Oh, Pulco, j'ai tellement hâte que t'ailles au boulot. Oh, regardez ça. Et il vieillit, hein. Dans 2 jours, hein. On aura à peine la promotion qui va vieillir, mais on aura fini les objectifs quand même. Un petit peu en retard par rapport à ses prédécesseurs, un peu à Pepper et à Bordeaux, hein, qu'on avait fini plus tôt. Mais c'est les études qui ont bouffé pas mal de temps. Qu'est-ce que tu racontes? Elle chante bien là. Pas mieux. Ça va, Quentin? Ça va bien. C'est une phase de la chanson que tu vas chanter. Ah, pardon! Chanter est un grand mot. Que je vais massacrer, tu veux dire? Et on est où, hein, du coup? On était au niveau 4, hein. Ah ouais, 4 et demi.
Et toi, au chant, t'es qu'au niveau 1. Va falloir que tu bosses là-dessus aussi, hein, cocotte. Tu veux chanter aussi, toi? Vas-y, chante. Prêt à manger. Mais elle chante toujours des chansons connues, en fait, j'ai l'impression, c'est trop rigolo. Qu'est-ce que tu racontes, Pulcote? Tu déranges ta fille, hein, elle sait plus quoi faire. T'as fini tes devoirs, toi? Oui. Oui, elle a fini ses devoirs. Bah, tu peux. Va qu'à tes occupations. Toi, tu vas nous servir le dîner. Tu vas faire du fish and chips. Mmh, miam, miam, miam. T'as fini? So bavinouche. Bah, tu vas refaire venir Liat. Je suis horrible. Parce que je me dis, tu vas devenir copine, petite amie avec, puis tu vas rompre juste après. Parce que je suis une sadique. Voilà. Vivement les 20 000 points de chaîne. Non, mais alors tout le monde veut les 20 000 points de chaîne. Hein. Elles sont petites copines, c'est trop bien. Pardon, excusez-moi. Elle mange mes cheveux. Elle est belle gosse quand même, hein. Mignonne, cette liate. Liath. Je ne sais pas comment on dit. On rompt maintenant ou comment ça se passe? Salut, Timite. On va refaire quelque chose avec elle. Hein, on va en profiter. Ah ouais, on n'a pas de lit de place. Allez, hop, dans la douche. Histoire de profiter un petit peu, d'explorer les choses. Perlouse, elle a envie de savoir... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il a? Il a fait des saucisses. Pourquoi ça puait, les saucisses, mon chou? Bah écoute, maman, mange des saucisses. Alors, c'est vrai que les saucisses, c'était Bordeaux. C'est Bordeaux qui aimait les saucisses, hein. Lui, il est mangé à toutes les sauces, hein, les saucisses. Hein. C'était Bordeaux. Notre regretté Bordeaux. Pendant que les filles s'éclatent. Toi, mon toi, tu vas te mettre à chanter aussi. Parce qu'il faut... Elle pète, dégueulasse. Tu vas chanter un petit peu. Parce qu'il faut... voilà. Il faut... Vas-y. Alors elle, on va rebaisser dans le niveau de qualité de la voix. Hein. Donc si je les veux, mais tu t'es vanté de ne pas avoir à chanter. Après, vous en faites ce que vous voulez. Sauf que sachez que... par live, les mots, alors le YouTube il va pas comprendre. C'est bientôt l'anniversaire de Pulcote. Par live, en fait, il y aura qu'un seul mot à acheter. Hein. Donc ce sera premier arrivé, premier servi. Parce que comme je fais pas non plus 10 000 enregistrements d'épisodes, ce sera vraiment. Voilà, je vous dis, bon bah le prochain que j'enregistre, ce sera ça. Mais si vous êtes 5 à me demander à 5 à la suite, ça va faire beaucoup de mots, hein, mais c'est pas grave, on va tester. Hein. On fera au mieux. Voilà, elle est contente. Quel genre de saucisse? À toutes les saucisses, Sweetson. Bordeaux, il mangeait à toutes les saucisses, à toutes les sauces. Écoute, si t'étais pas là à l'époque de Bordeaux, tu peux regarder les rediffs de live. On a bien rigolé quand même avec lui, c'était assez sympa. Parce qu'il arrêtait pas, hein. Rond demain, ouais, c'est ça, oui, bah oui, on s'en fiche du moment qu'elle rond. Même celle de Jean-Pierre, ouais, même celle de Jean-Pierre, il y est passé. Hein. Toutes les saucisses. Faudrait une chanson duo pour comparer les deux girls. J'avoue. Bon, écoute, on va la laisser chanter. Wouh, merci Stan Albon pour le follow et bienvenue à tuer. Pulco. Ah ouais, 22h30, j'avais pas vu. Attends, on va réveiller ta femme. Ah, c'est vrai qu'ils sont toujours pas mariés, eux. Ils sont toujours pas mariés?
Et elle est coincée là depuis tout à l'heure, je la fais chanter, elle va bouffer. Attends, va faire un bisou à ta copine là. Faire crac crac sous la douche. Quand même, faut pas exagérer. Elle me perturbe trop la Sims, j'ai l'impression que c'est une des meufs de Brooklyn Nine-Nine. Elle ressemble trop à Rosa Diaz. Brasser la joue. Ils sont pas mariés. Après, on n'est pas obligé de les marier. Hein. Il n'est pas écrit hein, qu'il faut les marier. Hein. Ça va, mon coucoudou? Mon bébé d'amour? Je crois que Dexou, il a faim. Il a faim, mon chéri? Il s'en fout. Il m'ignore royalement. Niveau 2 de chant. Petit crac-crac là, ça fait longtemps. Après, il sera vieux, il risquera sa vie. Quoique, avec tout le sport qu'il a, normalement, le cœur devrait tenir. Hein. Voilà. Ça s'est bien passé. Pourquoi ça fait plusieurs gling-gling? C'est nouveau? Non, pas, hein. Ce soir, Grey's Anatomy. Ouais, moi, je regarde pas. Grey's Anatomy, ça fait des années que j'ai arrêté de regarder. Hop, tu vas être couché, t'as raison. Je sais pas si elle a fait ses devoirs. Oui, c'est bon. C'est là, on est lundi. Et lundi, Pulco, il va bosser. Il va avoir sa promotion. Et on aura fini la génération. Déjà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe derrière, là? Vous faites les fous? Ça va, mon bébé? Mon petit cœur. J'ai les chats qui sont réveillés, hein. T'iras te coucher parce que là il est minuit et demi. Elle a quand même bien maigri, mais elle a quand même vachement de forme, hein. Les fesses, des seins et tout. Elle est chaloupée, la petite. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Pénible à entendre. Oh là là! Oh là là! Comme dirait. Mais pourquoi t'as pas dormi, toi? Au lieu de faire ta sieste? Retourne au lit. Voilà. On va être lundi, ça va être l'école et le travail, ça va passer vite, très très vite, ça va passer vite, très très vite. Bonne app, Pauline! Ce matin, c'était macOS. Ah, oh, Quentin, c'est Windows et compagnie. Le mariage, c'est mieux, en plus, ils sont choux, ce couple. Oui, bah, ils vont se marier, mais il va pas, ce sera pas en grande pompe, hein. Je pense pas, j'aurai pas le temps. J'aime bien aller vite. Je vérifie qu'elle n'ait pas fait de sport toujours. On est toujours à 5. Nickel. Nickel, ma belle! J'ai pas rangé les saucisses. C'est dommage de gâcher de la bonne chair. À saucisses. Écoute, tu vas aller chanter. En attendant que t'ailles en cours. Oh, punaise. Chanter en solo. De la pop, on s'en fout. Tac, tac. À 6h30 du matin, vous imaginez être réveillé par votre fille qui est en train de hurler dans le karaoké. T'es déjà là, toi? Pulco! Pulco! Pulco Citron! Regardez, mon pauvre chou, l'anxiété de la promotion, mais t'inquiète pas, elle arrive. Bichette. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Tu vas bosser? Qu'est-ce que tu veux? Va prendre ta douche. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, va manger, t'as raison. Pulcote! Tu peux aller faire pipi et après t'iras manger. Te stresse pas pour la promotion, hein, t'inquiète, ça arrive. Hein. De toute façon, après, tu seras juste après, tu seras limite à la retraite déjà. Tu seras trop vieux. Déjà? Bon bah toi aussi hein, vas-y. Allez, école!
École tout le monde! Il reste que notre pulco national qui veut discuter avec Nathalie. Mais tu vois, il y avait une assiette, pourquoi elle a disparu? Il y avait une assiette, je me suis même dit, je vais faire bouffer le reste qui est sorti là. Et l'assiette n'est plus là. Alors, elles vont réviser et après elles feront connaissance. Non, Pulco, t'as fait des saucisses hier soir. Ah oh, putain, il y a déjà des trucs pourris. C'est pas grave, on va te faire manger autre chose. Ah bah c'était les saucisses qui étaient pourries. Ça va servir les petits-déj. Des pancakes! J'ai mon loulou sur ma valise. Coucou Dex et Tyrion, bah ouais, bah il se réveille là. Il se dit, tiens, l'heure de manger, travaille depuis quoi dans 1 heure déjà, un hein, chou? T'auras même pas le temps de bouffer, le temps de faire tes pancakes. Je vais faire cuire. Voilà, je l'avais dit. Ah non, Ah non, non, pardon. Il pense à sa mère. Quoi? On influence la résolution de conflit. Yes. Bah, elle n'est plus responsable, mais c'est pas grave, elle va faire ses devoirs et ça va aller mieux. Vas-y, tu me prends ça, tu le manges. Et après, tu vas bosser, tu vas avoir ta promotion. Oh là là. On va en avoir fini avec toi, mon petit. Bon, c'est déjà l'heure. Allez, hop. Quel beau mec, regardez-moi ce costume. Bonjour madame, la femme de ménage, toujours chauve. Alors attention. Je mets pas en vitesse. Il va se promener dans l'univers. Quoi? Non, on était morte déjà. J'attends qu'il ait. Voilà, et hop, il travaille dur. On s'en fout, on n'ira pas. On ira se cacher sous les draps. Regardez-moi, ça monte, ça monte, ça monte. Qui c'est qui parle dans mon oreille? C'était la radio là? Ah ouais, non, ça me fait bizarre. J'ai l'impression que quelqu'un qui me parle en simili dans mon oreille. Allez, pulcote. 5 900. C'est une flouze de facture. Allez, pulcote. Allez, pulcote. Allez, c'est mon stage, je compare rien au Mac. Tu comprends rien au Mac? C'est dommage. Essaye de ne pas mettre de fruits dans le lave-vaisselle en mon absence. C'est ça, on va essayer. Avec du sirop d'érable et du beurre. Pas de beurre. Alors, plus quoi, attends, hein, il va lire des blogs sur les conseils de carrière. Petit gain de performance! Tu vas travailler dur. Tu vas continuer à travailler dur comme fer. Et vous allez vous faire des amis. Poil au zizi. Bah oui, on va la ramener, Eliott. Il faut qu'on rompe avec elle. Oh là là, dis donc, ça a rencontré. Hein. Projet scolaire. On va l'exp... Alors, on va l'exploiter, sa copine. Elle va bouffer, t'as faim. On va exploiter Eliott. Parce que on a un truc scolaire à faire. Donc, on va carrément l'exploiter. Et après, ce sera... Oh, en fait, je romps avec toi. Parce que finalement, je suis pas sûre d'aimer les filles. C'est qui celui-là? C'est Ouragan! C'est Ouragan. C'est trop drôle. Ok. Et toi aussi, tu iras faire quand même connaissance. Parce que quand même. Wow! Wow! Oh là là! Dis donc. Non mais on s'en fout, on va pas s'inscrire à l'université. Elle est venue exprès pour tirer son coup, la Liat, hein, je la connais. Hein. Je reconnais les gens comme ça, moi. C'est pas elle! C'est elle, c'est pas lui. Oh punaise.
J'ai mon cœur qui s'est arrêté. Elle était promue au poste de professeur et mentor. Nathalie était promue. Elle gagnera désormais 6 simflouz de plus par heure, soit 44 simflouz de l'heure au total. Elle a également reçu un bonus 525 simflouz. Et le monde vous appartient. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est super. Je vais quand même vérifier. Oui, normalement c'est bon. Dans une heure, on a fini. Il souffle l'ouragan. Dans une heure, normalement, on a fini la génération jaune. Normalement. Et elle, elle est où? Oh, éducation 4, quand même. Bah, tu vas rentrer, tu vas manger, et puis c'est tout ça. Oh là là, oh mon dieu, il y a quelqu'un qui a touché au frigo. Ça y est, c'est l'angoisse. Mon cocotte, vous allez bien, là? Toi aussi, il va manger un truc. Et toi, tu vas réquisitionner notre ami Ouragan. J'ai pas mis le bébé Move Object, ça se voit. Hein. Y'a pas de place. Il n'y a pas de place. Si, y en a place là. Tu vas commencer à travailler soigneusement et tu vas demander à Ouragan de travailler avec toi. Parce qu'il a le même âge que toi. Ouais, voilà. Hop. 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 Bon, elle aussi, elle en a un à faire. Je vais activer le bébé object parce que ça m'agace. Voilà. Et on va pouvoir le caler ici. Et c'est super. Tac. Allez, voilà. Tout le monde au boulot. Pulco, pulco. Pulco, pulco, pulco. J'ai... On n'a même pas eu la musique, j'ai appuyé sur pause avant. Et on n'a pas eu la musique. On est au niveau 10, on est au niveau 10. On a fini la génération jaune. T'es trop beau mon pulco. Tu vas nous manquer. Ta beauté, ton sex appeal, tes muscles saillants et voluptueux. La meuf qui en peut plus, c'est un putain de Sims quoi. Ouais. Oh là 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 là, niveau 10, je vous le montre hein, quand même, Ranger de l'espace, niveau 10, nous avons fini, tous les objectifs de la génération jaune sont validés. C'est un win. Ça fait du bien. Ça fait du bien de réussir, réussir des challenges, c'est cool. J'avoue, j'aime bien. C'est sympathique. Bravo, tu pulcotes. Tu dépotes, mon pote. Merci, vous êtes trop gentil. Parce que je pense que vous êtes beaucoup de filles. Qu'est-ce que... Ah bah d'accord. Il s'est dit, pourquoi pas me mettre à genoux et manger... À genoux. Quand tu veux, nuage, là. Arrête de papoter. Faut que tu fasses tes devoirs. On dirait des trucs à chat, vous savez, les trucs pour gratter, les grattoirs. C'est qui celle-ci? Bah c'est elle, Axel Richard, qui arrête pas de nous harceler. Mais elle, comment elle ressemble trop à Rosa Diaz? Ouais, en moins jolie. J'avoue, en moins jolie quand même. Bon bah Pulcote, tu vas pouvoir aider ta fille. Voilà. Parce que elle, je vais la faire bosser sur ses devoirs à elle. Qu'est-ce qu'elle a eu? Ah, c'est un cadre! Oh! Waouh! C'est sympa! Ah ouais, c'est cool, je valide. Et tu vas corriger les copies. Tout le monde bosse. Bon, peut-être que Mini terminera avec Ouragan, hein, on sait pas. Hein. On sait pas. Ah, je suis contente. La génération jaune. Chut. Comme ça, plutôt. Hein. Check. Ah, oh, on va laisser place à la génération grise. Hein. À la grisette. Ok, tu vas lui raconter une blague parce que je pense qu'elle s'ennuie et qu'elle a besoin de rigoler, là, ta fille. Tu vas lui faire des grimaces, parce que ça remonte bien. Et drôle, faire une blague sur la mode. Oh, mon petit pulco, et dire que dans pas longtemps, il va devenir un vieux bigot. Un vieux tout gris, tout moche. Ah là là. C'est cool. Je suis trop fière de lui.
un jour, hein. Et elle, elle grandit dans... Un jour aussi, bah, ils vont fêter leur anniversaire en même temps. C'est magnifique. C'est merveilleux. Je pense qu'on va aller jusqu'à l'anniversaire et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Le mot chat. C'est trop facile. Mais c'est beaucoup trop facile. Je prends un Switzen. Alors, Switzen, ton mot sera dans le decades, pas de lundi qui arrive, mais dans le lundi d'après. Parce que pour la semaine prochaine, c'est déjà enregistré. Donc ce sera dans le decades 190, je pense que c'est ça. C'est beaucoup trop simple le mot chat. C'est triste, hein, mais c'est très très simple. Alors, je vais me le noter parce que je vais l'oublier. Excusez-moi YouTube hein, pour l'ardi, vous allez rien comprendre. Je vous explique, c'est parce qu'en fait, en live sur Twitch, il y a ce qu'on appelle des points de chaîne. C'est plus vous regardez une chaîne et vous êtes actif sur la chaîne, vous gagnez des points. Et en fait, du coup, il y a des contreparties que je vends, entre guillemets. Quand on a un certain nombre de points, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter des emotes que j'ai mis, parce que les emotes, c'est quand on est sub, donc quand vous me donnez 5 euros par mois, même si j'ai pas les 5 euros. En gros, à un certain nombre de points, on peut acheter des choses. Il y a aussi, à 2500 points, il y a une chanson. C'est-à-dire que les gens, ils achètent une chanson. Moi, je chante après, devant vous, comme ça, en live. Et à 20 000 points, il y a un mot. Un mot que je devrais imposer, qui m'impose, que je devrais caser dans un épisode. Comme ça, bah, ça peut être des mots rocambolesques. Mais là, pour l'instant, c'est Switzen. Elle a choisi le mot chat, qui est très, 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 très simple. Mais ça m'arrange. Donc, je lui dis, bah voilà. Tu auras le mot qu'elle a choisi dans cet épisode. Et ce sera super simple pour un premier mot. Donc, je suis ravie. Parce que c'est, on peut dire, salut mon chat. Oh, t'es mignonne comme un chat. Et puis voilà, c'est parti. Bah, Quentin, faudra attendre la semaine prochaine. Hein, parce que c'est un mot par live. Donc, ce sera la semaine prochaine. Ah, bah, elle a fini! J'avais pas vu, excuse-moi. Elle est où, Eliat? Que qu'on rompe avec. Parce que, quand même. Elle est où, la meuf? Mais elle est où? Elle est partie! Oh la biatch. Vas-y, invite-la. Viens voir là, mon petit ouragan. Oh, il a pas l'air dégueulasse, petit. Hein. Il est un peu jeune. En tout cas, il a les yeux bleus. Donc c'est très bien. Et toi aussi, t'as fini, du coup? Il est où ton truc? Il est là. Tu iras mettre dans ton inventaire, cocotte. Après, tu iras manger, pisser, compagnie, bien sûr, évidemment. Toi, tu vas te donner du courage. Tu vas. Pourquoi tu mets pas dans ton inventaire? Qu'est-ce qui va pas? Oh, Eliat, elle rentre chez elle comme si c'était... tout allait bien, quoi. Allez, méchant. Tout, rompre. Allez, hop. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, oh, elle a un travail bâclé. Mais qu'est-ce que t'as glandé? Médiocre. Alors là, je suis vraiment, tu me déçois. C'est pour ça que tu vas pas le prendre. Je veux pas le mettre dans ton inventaire. On a compris, hein. Regardez-moi ça. L'autre, elle se fait plaquer tout en dansant. Voilà. Oh, la vie est dure. Ouais, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Voilà. Tu pourras danser si tu veux. Tu peux lui dire de partir aussi, ce sera pas plus mal. Apprendre à danser. Non, on s'en fout. Tu lui dis de partir. Casse-toi. Voilà. Et c'est détendre avec de la musique classique. Ouais, par contre, eux, ils ont bien réussi. Ils sont contents. Merci, Pulcote. Merci, Pulcote. Salut, Citizen, comment tu vas? Bon app, Tatou. Voilà, ils ont fait tout leur machin. Oh, je suis trop contente qu'on ait fini là. En beauté, la génération jaune. C'était pas toi qui devais te...
Elle va pleurer dans le placard, mais de où? Vas-y, détends-toi avec la musique classique. Oh là là! Quel relou! C'est toi qui as rompu, hein? Pourquoi il y a des jambons, il y a des trucs qui traînent comme ça? Tiens, tu vas chanter un petit peu, toi. On va chanter un petit peu. Toi, tu vas aller aux toilettes. Ah, pardon. Oh là là! Il y a du taf encore, hein, pour elle, au niveau du chant. Allez, on est à 2,5. Bon, écoutez, vous faites votre vie. Hein. Ils sont déjà partis dormir, les vieux, là? Enfin, les vieux. Oh, mon petit pulco. Voilà. J'ai l'impression que c'était pas si longtemps que ça quand on a commencé à faire tout ce qu'il fallait faire avec lui. Quand il était adolescent et pas du tout sexy. Il est passé par une phase moche, hein, quand même, le petit pulco. Hein. Enfin, faut qu'on se souvienne de ça, hein. Là, ça fait cacophonique dans mes oreilles, c'est pas joli. Ouais. Non, mais vivement que tu finisses ta chanson, hein. Pour l'instant, t'es pas très doué, hein. Après, t'iras dormir. Shabash kashish blodi. Malébé blanc. Chichichikemoy. On a pu remarquer hier qu'avec les dans les Sims 2, le Sim Leash était différent des Sims 4 quand même. Hein. C'était un peu bizarre. Allez, pose ton micro. Elle est toujours pas voilà, pénible. Bah ouais, t'es pénible, bah, ça c'est sûr. Hein. On va pas te contredire. Hein. Allez, bonnet de nuit. Allez, dormez bien, mes petits enfants. Oh, il y a encore elle et elle me casse les pieds. T'as pas fait tes devoirs? Ah non, c'est bon. T'as pas fait tes. T'es sérieuse? T'as pas fait tes devoirs? Bah tu les fais. Et après tu iras dormir. Manie d'aller dans le bureau des parents quand même. Dans la chambre des parents. Au cas où il ferait des galipettes. Hein? Toi tu verrais tout, tu serais traumatisé à vie. Ce qu'il faut pas faire. Un enfant ne dort pas. T'inquiète, je gère. On va bientôt grandir, hein. Zéro. Oh là là. Mon petit pulco va devenir vieux. Je suis triste, je veux pas. Bon, il sera toujours éternel dans la galerie, mais. Comme Bordeaux. Regardez-moi ce vieux papy. Tristesse. Il a déjà fini sa nuit, hein. Pourquoi ça va pas vite? Ouais, tu vas te faire un petit bain là. Toi, tu vas faire quoi? Bon, tu vas te préparer, tranquille. Tu vas servir le petit déj. Hop. Les omelettes. Oh, il y avait frittata aux épinards, zut. Toi, tu grandis et tu vieillis donc. Ah ouais, oh la tôle, la vache! 20 jours! Eh, je me la tape pas 20 jours de plus, hein. Je vous le dis direct, hein. On va la faire vieillir au prochain épisode. Ce sera très bien, hein. Parce que 20 jours, c'est trop, hein. Il y a trop de décalage avec Pulcote. Mais Pulcote, c'est vrai qu'ils ont commencé à faire des gamins. Elle a été tout juste jeune adulte. Lui, il était plus avancé. Puis bon, comme elle a eu trois grossesses qui ont ralenti le délire. Voilà. Mais 20 jours, non, c'est bon. Elle va pas la coltiner 20 jours. Après, elle va être insupportable quand elle sera vieille. En plus. Repoline. Oh, il a faim, Pulcote, il est pas bien dans son petit bidou. Mais j'ai faim, moi. J'ai faim, j'ai besoin de manger du truc et je ne mange pas, voyons. Tu vois pas du tout, hein. Oh, qu'est-ce que t'es beau.
Va falloir trouver un mâle aussi beau que lui pour faire des enfants à notre héritière. En tout cas, il part bien là, tout va bien. Tu vas regarder la télé. Il marquait quoi? Réparer ou remplacer la console de jeu peu orthodoxe. Elle est cassée? Bah, je savais pas. Il n'y a rien qui montre qu'elle est cassée en plus. Regarde, d'accord, super. T'es super, Pulcote. Par contre, t'as un truc là-haut qui est cassé aussi. Si tu veux y aller, vas-y. Hein. Ah, 10 en bricolage, hein, le gars. Hein. Il fait un tour de tournevis, c'est bon. Hein. Alors, fais du sport. Non, t'en fais pas encore assez. Va, mange, t'as un truc devant ton pif! Georgette, toi aussi, elle va manger. Ça va pas encore maintenant. Tac. Toi, tu vas bosser. Écoute, tu peux faire un petit pipi aussi. Il n'y a que Perle. Perle, viens manger aussi, tiens, au lieu de traîner là. Sur l'ordi, espèce de geek. Puis t'iras te prendre une douche. Excusez-moi, tu iras chanter sous la douche. C'est mieux. Tiens, toi aussi, tu iras chanter sous la douche, mais à l'étage. Je sais, hein, je vais. Vite, 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 vite. Après, le temps est compté, les enfants. Il manque plus qu'elle, hein? Quand est-ce que tu grandis? Connasse. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Va, va en cours. Va te faire des copains. Tu as le droit de te faire des copains. Hop, tu vas te faire des amis. Et toi, tu vas travailler dur. Elle est en train de chanter. Ou pas, elle a arrêté de chanter. Tac, 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 tac. Nuage part à l'école. Bravo, Nuage. Tu as fait un projet scolaire. C'est super. T'es la meilleure de la Terre. Perloute. La même. Voilà, tout le monde se fait des amis. Mais Pulcote, on a une femme de ménage qui arrive. Mais laisse! Regarde la télé. La télé. La télé! Voilà. Un programme magnifique pour enfants. C'est super. Qui aime les artichauts? Pas moi, c'est pas gagné. Quand il est même fruit. Il est quand même le fruit de deux générations de beaux gosses. Seth et Bordeaux, j'avoue. J'avoue, j'avoue, les gènes se sont bien transmis. Au niveau homme. Bah, Coquelicot était pas dégueulasse, hein. Il nous a fait quand même un beau gosse, hein. Comment il s'appelle? Jonathan. Le cousin. Bah, d'ailleurs, je sais même pas ce qu'il est devenu. Attendez, on va aller voir rapidos. L'arbre généalogique. Donc, nous, on part de là, hein. Ça, c'est 7. Et on n'a pas trop. On parle de Pepper. On en est là. Ouf. Alors, Coquelicot a eu 3 enfants. Oh, bah, il est vieux, Jonathan! Bah, ouais. Il a eu 2 enfants. Patrick Rainbow et Nathalie Mercier. Et Coquelicette, elle a eu Sophie aussi, qui est. Voilà. Et Julien. J'avoue qu'on les a jamais vraiment vus, hein, donc on peut pas trop juger sur la qualité de la. Voilà. Alors que nous, c'est cette branche ici qu'on va suivre. Voilà. Ah, il y a même mes parents de Macy qui sont dans l'arbre. Bah, ouais. Pour l'instant. Allez, Pulcote! Première et dernière journée, peut-être en tant que niveau 10. Magnifique. Voilà, écoutez, hein, on va attendre que ça se passe, hein, maintenant. Toujours la femme de ménage. Chauve. Mais fais-moi peur. Donc c'est bien. Et ça, connasse! Mais sérieux? Elle a pas pris notre tas d'ordures? Et c'est payé, ça? Pouah, moi aussi, hein, pour mettre des trucs dans un lave-vaisselle, je veux bien être payé. Hein. Oh, il est blasé. Bah oui, oh, truc de gamin. Bah écoute, c'est toi qui as choisi, hein. C'est pas moi. Ah oui, j'ai pas payé les factures. Mini a rencontré Vincent, c'est très bien. J'ai pas encore faim. Qui veut des saucisses?
Ça va me donner faim, moi, par force de parler de saucisses. Bon, on va accélérer, hein. Nuage à un côté Silver. Silver qui est devenu scout, d'ailleurs. Et Perle a rencontré Milan. Minnie a rencontré Sébastien. Ah oui, on invite tout le monde, nous. Minnie a rencontré Winter. Oh oui. Alors. Là, c'est 3 en 1, hein, les filles 3 en 1. Là, on voit bien, on peut comparer les visages. Moi, je préfère Nuage. Je pourrais être méchante, mais je préfère Nuage. Elle est plus mignonne. Il y a un truc en plus, je sais pas. Il y a un petit truc en plus. Le Sylvester Stallone, sûrement, peut-être, oui, je pense. C'est quoi ce nom de merde? Eh, sérieux, moi je vais pas les marier mes filles avec un nom aussi pourri. Bon, toi tu grandis pas encore. Allez, va te laver. Toi, tu vas aller faire du sport. Hop. Toi. Alors elle veut. Non, bah tu vas pas faire du sport. Je vous rappelle qu'il faut que ce soit 5 partout pour déterminer. Et je vous rappelle évidemment qu'il faudra voter. Ah oui! Ah oui! Ah bah peut-être que c'est elle qui va le draguer. Proposer un plan fou. Votez pour savoir si on les détermine avec une compétition sportive ou si vous voulez voter classiquement, genre c'est la plus belle, je vote pour elle. C'est à vous de voter. Et ce sera peut-être la semaine prochaine. Peut-être. Salut Prune, comment tu vas? Sauf si je m'appelle Brodo. Brodo. Saucisse de Strasbourg ou Chipo. Ou les merguez, elle picouse, mais ça passe. Bon, allez, elle se détend, elle. Tu veux parler avec lui? T'es déjà eu une rupture. Oh, ça en est déjà vite remise, hein, quand même. Pas assez d'entraînement. Non, mais c'est bon, meuf, t'es déjà à 5. 350 de Simflouz pour Nathalie. Tu vas le féliciter. Gonflé à bloc. Non, pas gonflé à bloc, j'ai peur que ça lui fasse gagner des. Se vanter de cette dette bécotée. En plus, c'est vrai pour une fois. Toi, t'en es où du sport? Elle arrive bientôt au niveau 5. Oh non, hé, choupette, vas-y. Tu peux l'appeler si tu veux. Ah bah, elle est d'accord, elle a été seulement... Genre, hé, tu m'as pas oublié, je suis là quand même. T'en es la température chaude. Bon, il a l'air intéressé par Perle. Ou elle est intéressée par lui, je ne sais pas. Oh, 4165 Simflouz! C'est énorme! Oh, t'es trop mignon. Pourquoi t'embarrasser? Mais non, tout va bien. Allez, c'est vraiment dégoûtant. Oh, Bichette! Va manger, va pisser, va. Tiens, occupe-toi de toi. Et toi, bah, elle va faire ta vie aussi. Tu veux que je te donne un mode d'emploi? Ayebou! Ça clignote pas encore. Sugar Blue! Ah, t'y es presque, ma belle. En fait, le plus long, ce sera de mettre à niveau mini quand même. Allez, va draguer. Va draguer ce jeune homme. Tu pourras essayer aussi. On va le draguer, on va le. Oh! Elle vient de larguer un gros pet devant lui. S'il n'est pas dégoûté après ça, je ne sais pas quoi dire, moi. Voilà, c'est bien, tu discutes. Tu t'extasies sur les chanteurs préférés. Tu vas te renseigner sur sa carrière, même s'il est juste lycéen, on s'imagine. Discuter des techniques d'entraînement. Parler des rêves. Regardez-moi Pulco dans le fond, là, il sait plus quoi faire de sa vie. Pouchou. Faire connaissance. Mais fais pas le ménage, Choupi. Oh. On va faire pipi. Ça va bien, Prune. Je me détends enfin en regardant ton... Bah, en plus, t'arrives plutôt vers la fin, mais t'inquiète. Tu as raconté l'air à Gal. Conversation profonde. Là, on attend juste de fêter l'anniversaire de Pulcote.
et de Minnie. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder, Nathalie, au lieu de jouer là, tu vas me faire des gâteaux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Cuisiner. Tu vas me faire un gâtal blanc et un gâtal au chocolat. Laisse ta fille tranquille. Oh! Ils sont en joueur déjà? Mais ça va vite, hein? Oh bah dis donc, et dis donc, dis donc. Perle, par contre, tu peux juste ne pas les regarder. C'est un petit peu dérangeant. Je sais pas, va faire tes devoirs. Voilà, va ailleurs. Tu seras mignonne. Parce que là, c'est un peu bizarre. Bon, déjà qu'il y a leur père dans... dans le truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, nuage! Drague! Il est vraiment très beau, Pulco, ouais. J'avoue. C'est un beau mec. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! La petite nuage a envie de s'envoyer en l'air. Oh punaise, il lui rentre dedans. Il y a un petit bug là, les enfants. On dira pas. On a pas vu. Tu vas complimenter l'apparence? Je pense que ça va être rapide là, par contre. Jeter des mots doux. Embrasser le cou. Ça va être très rapide avec eux. Qu'est-ce que tu fais, toi? Va faire tes devoirs. Ça sert à rien, mais va faire tes devoirs quand même. Tu vas pas bouffer des pancakes, là? Va lui manger la saucisse, pardon. Ça y est, je pense que ça doit clignoter. Oh, tiens, une petite rose. Oh, trop bien. Tu vas embrasser ses mains. Oh là là, oh là là. Directement? Mais il n'y a pas de premier baiser? Tu vas devenir tu petite amie, là. Ils sont petits amis avant de s'embrasser. Pourquoi pas, hein? Ok. Non, mais Pulco, je sais que tu vas devenir vieux, mais quand même. Est-ce que c'est une raison d'aller se coucher à 20h? Tu vas venir mettre des bougies. Alors, premier baiser, échangé pour nuage, ça va être fait. Oh, oh, il te kiffe, hein. Il te kiffe plutôt pas mal. C'est pas le but qu'il lui rentre dedans? Si. Tu as très bien vu. Oui, nuage. C'est bon pour elle aussi. Tout, 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 tout. C'est très, très bien. Tu vas lui rouler, tu vas lui envoyer un baiser. Et puis merci beaucoup Pixel pour le follow. Ça fait plé, ça fait zizir, ça fait plaisir, comme dirait l'autre. Alors. Voilà, tu fais ça maintenant que vous avez validé. Vous pouvez faire des bécotages, baiser passionné. Ouh, et merci à Moloch One pour le follow. Et bienvenue à toi. Et tu vas te bécoter avec Clou. Parce que Clou, est-ce que ça va être le pied avec Clou? On va lui grignoter la saucisse. Ils sont prudes, mais non, regarde, ça va y aller là, direct. Elle va aller se dépuceler. Pardon. Chocho la banane. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ces émotes là? OMG, je suis choqué. Regardez-moi ça. Allez hop là. Ça se dévergonde. Hein. Mais arrêtez d'aller dormir. Est-ce qu'elle clignote? Elle clignote pas encore. Hein. Par contre, elle clignote pas encore non plus. Pulco, s'il te plaît. Oui, t'as la fatigue, mon chéri. Pourquoi tu dis que c'est sale dans la chambre? C'est pas sale dans la chambre. Par contre, non mais va réparer les toilettes et va prendre une douche. Mais c'est quoi ça? 21h! Ça y est, c'est l'anniversaire du Pulcote. C'est incroyable. Et merci Adrea pour le follow et bienvenue à toi. C'est incroyable, incroyable. Mince, je sais plus ce que je fais que mon jeu moi.
Voilà. Je sais pas pourquoi tu dis que c'est sale. Mais il a fumé la moquette. Voilà, on a deux gâtales d'anniversaire. On n'a le temps plus que de les fêter. Ça y est. Allez, bah Minnie. Plus le code, tu peux venir. Et là, elle rompt direct avec lui. Sinon, tu peux lui parler, tu vois, genre demander comment ça va et tout ça, quoi. Discuter des centres d'intérêt. Qu'est-ce que t'as, toi? T'aimes pas ta sœur? Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, Bichette! Alors, tu vois, tu vas prendre le gâteau au chocolat. Allez, Minnie! On veut voir ton minois! Minnie le minois! Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont en train de se fighter encore, les deux, là? Mais what? Bon, Pulco, ça suffit. Viens manger. Mais je crois qu'il avait faim. Mais il a pas faim. Il a un problème, ce... Bon, toi, arrête. Va pas faire le ménage. Souffle tes putains de bougies, Minnie! Tu vois pas que tout le monde... Ah, ça y est. On va voir la révélation. Est-ce qu'elle va être belle ou pas? On ne sait pas. Ah, mais c'est le gâteau au chocolat! Je me suis trompée. Suis un peu bête sur les bords. Il y a deux gâteaux, je sais plus, moi. Allez! Oh là, c'était quoi cette bouche là? Happy birthday, Minnie! Happy birthday, Minnie! Elle est belle! Alors, elle aime la musique. Il faut que je lui mette les traits actifs et crasseux. Je sais plus dans quel sens j'avais dit, donc je vais la mettre active. Et c'est la truc de sport. Tac! Oh, elle est trop belle! Je crois que je préfère Minnie maintenant. Ah non, mais elle est trop belle! Elles sont toutes, en fait, elles ont toutes un visage différent. Elles ont toutes un visage différent. Tu peux prendre un morceau. Bah non, t'es déjà en train de manger. Ok. Waouh! C'est ce que tu fais? Tu vas courir pour te vider l'esprit. Lui, il est en train de dire eh, pas mal la sœur là en fait. Ça va être dur. Ça va être dur, elles sont belles. Elles sont belles, toutes ces filles. Est-ce que t'es vieux? Il clignote pas encore, Pulco. Pulco ne clignote pas encore. Peut-être on va se garder l'anniversaire de Pulcote pour la prochaine fois. Parce que là, il a envie d'aller se coucher. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, moi, je reviendrai la semaine prochaine avec une petite cocotte. Une petite mini améliorée, relookée, en grise, comme j'avais fait pour Perle. Et puis, on fêtera l'anniversaire de notre Pulco national. Ouais, tout le monde va se coucher. Ou presque. Ok, bah t'iras pisser et puis t'iras dormir après, ma cocotte. Mais elle a l'air trop jolie! Mais oui, elle est belle, hein! C'est un truc de fou, hein! Elle a un visage encore super différent. Ouf, ça va être chaud, hein, de choisir. Donc je vous rappelle qu'il faudra... Non, fais pas la vaisselle! Fais pas la vaisselle! Qu'il faudra que vous choisissiez pour savoir si on les différencie, on prend une héritière un peu au pif avec une compétition sportive, ou si on fait des votes classiques. La cocotte! Parce que là, elle est plutôt belle gosse! Bon, avec des yeux bleus, ça aurait été encore plus joli! Tu vas rentrer à la zombie quand même, cocotte, non? Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que t'attends? Elle est où la maison? Rentre à la maison. Ouais, éteindre ça. Qu'est-ce que tu fais, Perlouse? Mais Perlouse, va pisser et va dormir. Fais à ton rythme, pas de problème. Et ah oui, c'est là. Oui, pardon, j'ai zappé.
Oh là 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 là! Ça va être compliqué! Ah non, franchement, là, je sais pas. Bon, entre perles et nuages, je préférais nuages, mais là, entre les deux autres qui restent. Ah bah ça y est, tout le monde est au lit. Ça va être quelque chose. Bon, bah du coup, moi, je vais mettre sur pause. Vraiment, je vais enregistrer et je vais vous dire, n'hésitez pas à voter, du coup, dans le petit i là-bas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Notsoberry avec nos potentielles héritières. Je vous souhaite des très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!